Il a chanté un peu trop vite. Ce mardi 4 avril, Charlotte était de retour dans N'oubliez pas les paroles pour tenter de conserver son micro d'argent. L'actuel maestro, qui a récemment validé son ticket pour le tournoi des maestros, a une nouvelle fois fait parler son talent pour s'imposer face à son adversaire du jour, signant ainsi sa 40e victoire. Mais lors de la finale, elle a pu compter sur l'aide involontaire d'un des choristes de l'émission. Charlotte avait en effet choisi de retrouver les paroles de la chanson Madame de Claude Barzotti. Après avoir atteint le premier palier, la jeune femme a dû essayer de retrouver 4 mots supplémentaires pour remporter 2000 euros. Mais au moment où les paroles se sont effacées, Fabien, l'un des choristes, a commencé à donner la bonne réponse. Emporté par la chanson, il a en effet dévoilé le premier mot à découvrir. Une petite bourde immédiatement repérée par Nagui. Je dois un petit peu d'argent. Oh, le dérapage pas contrôlé, Fabien, a lâché l'animateur. J'ai entendu mais je n'ai pas vu que ça correspondait, a quant à elle avoué Charlotte. Honteux et ne savant pas où se mettre, Fabien a alors reconnu son erreur. Je dois un petit peu d'argent. Un tiers de la somme, a-t-il réagi. Fort heureusement cela n'a eu aucune conséquence sur le jeu car Charlotte connaissait bien les paroles, même sans l'aide du choriste. Ce n'est toutefois pas la première fois que Fabien révèle les paroles cachées. Le 7 février dernier, il avait en effet déjà donné la bonne réponse sur le tube Matador de Mickey 3D. Mais une nouvelle fois, le précédent maestro, Louis, connaissait déjà les paroles. Vous faites bien de valider cette réponse. Ça, ce n'est jamais arrivé. Si est-ce incroyable. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait entendu à l'antenne mais sur le plateau tout le monde l'a entendu, avait réagi Nagui, un peu embarrassé. Step up.